Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Hello there, ladies and gentlemen, you're welcome on board the first edition of Chan at Home, and we are the Japoma 50,000 capacity stadium, which is playing host to Gobi matches of this 2020 African Nations Championship out here in the economic capital. And so we had two games that took place out here at the Japoma Stadium. We had Libya, who played against Niger, and we also had the Democratic Republic of Congo, who also played against Congo Brazzaville. But before today, we had some two spectacular encounters out there in Yaounde at the Fandenau Stadium, where the Intermediate Lions of Cameroon kicked off this competition. And one should say, they kicked off in grand style, beating the opponents, as well as the second match of the night, which we shall be focusing and diving into as far as this edition of the program is concerned. This is Chan at Home. It is a special magazine program dedicated to the 2020 African Nations Championship. Monsieur le Président. Au peuple camerounais, je dirais ceci. Vous avez l'objet d'une compétition importante aujourd'hui dans votre pays. Tout ce que je peux vous demander, c'est en profiter. Réjouissez-vous. Organisez-vous. Prenez toutes les dispositions barrières liées au protocole COVID pour que la fête soit belle et que vous en profitiez. Et qu'au sortir de cette fête, il y ait moins de cas de contamination. Il n'y a même pas de cas de contamination, tolérance zéro. Et qu'au finish, le peuple camerounais soit content du travail effectué, non seulement par la CAF, et surtout, il faut le souligner, votre chef de l'État qui a beaucoup mis des moyens pour vous doter des infrastructures que beaucoup de pays africains peuvent vous envier au jour d'aujourd'hui. So, the Intermediate Lions of Cameroon played against Zimbabwe in the opening game of this 2020 African Nations Championship. And it was a solid goal from Banga Salomon, the defender of Cotonou of Garoua, which ensured that the Intermediate Lions of Cameroon got off to a flying start as far as this competition is concerned. Now, it was a beautiful game, and after that match, we caught up with some of the key actors as far as the game pitting Cameroon to Zimbabwe is concerned. Let's get the reactions of these players who were on the pitch defending the colors of 237. Je suis très content de ma prestation hier. Ça m'a fait plaisir de jouer parmi mes frères, parmi mes amis, parmi ma famille. J'ai été très content d'être l'homme du match d'hier. Ça m'a fait plaisir de démontrer aux Camerounais de quoi je suis capable. Et je les remercie d'avoir été là pour nous, d'avoir été là pour nous donner le moral, nous donner l'envie de se battre pour eux et se battre pour nous. Donc, on promet de continuer à donner le meilleur de nous et continuer à faire en sorte que ça puisse bien se passer pour nous. Bon, au moment de chanter l'hymne, c'était une manière pour moi de me surmotiver parce que c'était vraiment un moment très important dans ma carrière. Donc pour la suite, je compte encore faire plus. Plus que ça, plus que ce que j'ai fait hier. Et j'implore le bon Dieu qu'il puisse encore me donner plus de réussite. Parce que hier, j'ai un peu manqué. Bon, je sais que ça ira pour le prochain match. Par rapport à la performance d'hier, je pense que ça a été une victoire de groupe.
Donc, avec le pré-chant que nous avons fait, il était question pour nous hier de maximiser nos chances de donner la joie au public camerounais. Et on ne compte pas s'arrêter là. On va continuer à travailler, on va continuer à faire des efforts pour pouvoir engranger comme ça les victoires. Et après, on pourra faire les décomptes à la fin du show. So, as far as that game is concerned, sports analysts, sports journalists who were there covering that encounter, they also had their own say about how the Indomitable Lions of Cameroon performed as well as the opponents. Let's get their reactions in these interviews. Bob Valentine, what's your reading of this game? Your reading of this game, Cameroon-Zimbabwe? I will say it out openly, not just because Cameroon won, but they played better. They played better than they did in the pre-champ tournament, they played better than they did in the normal friendly games before East Roma Abuja, and even during the time of my 2020 period. I am very happy with the forwards, but I have a little problem with the midfield compactness. Defensive-wise, it's been okay, but we have to build play in the midfield, because the midfield does not supply the attackers, then there's going to be a huge problem. So many chances also created by the attack line, but it was missed. So we're looking forward to the next game, knowing that if they are coming in, we expect more from Jacques, we expect an assist or a goal from him, and we expect more from the attackers. No chances should be missed. All the play, the midfield should be galvanized by the midfielders, and the defense line has to stay the way it is. Thus far, we had little tests from Hashim Kerido. I think it should stay that way so that we can progress to the quarterfinals and get past this stage. We want to become the second nation after Tunisia to host and keep the competition or keep the trophy. And what did you make of Jacques Zouar's performance? I'm not a fan of Jacques Zouar, and I'm really looking forward to him impressing me in this competition. I think Jacques Zouar, as a captain and as a forward, did well today on the green turf. But my rating of him is just above average, because I think he can do better. Given his experience, given his portfolio as a player, who has also played in the Indomitable Lions of Cameroon, I believe that the player can actually give more to the team. He had a chance, a very good chance that he would have scored, but it didn't reach the back of the net. So I believe that Jacques Zouar just has to work on his finishing. If he can work on his finishing, then he can become one of the best or the top goal scorers of this tournament. I'm not riding him off completely. I believe that he has a lot to offer. Cameroon 1, Zimbabwe 0. Were you expecting this scoreline? Well, it is a win. It is the country's first win in the CHAN since 2016. And Banka Solomon Ejemi scored his first competitive international goal and scored for the second time playing out in the Ahmadou Ahidjo Stadium. Details win new games. I think it was down to little details today. Cameroon created lots of opportunities, but the finishing was not in reference. I think that going forward, they have to work on their performance in the final third and even their efforts in front of the goal. It's a tournament, like the Great Samuel to throw the boys the other day, everything is the final. And finals, you don't play well, you have to get the results. And so the first 3 points, I think they look solid at the back, playing out through difficulties with Hashim Kerido, looking like the real choice or the real deal coming out of goal. In all, I think it was a near perfect results oriented performance from our team. We hope they can maintain this team and why not even do better going further into the competition. And one would be tempted to say it was the show of defenders today, as they were simply brilliant, the back four and the keeper, like you said. Yeah, I didn't expect BJM to do this. He's been here before. When you look at that back four, Andola was in Morocco for the 2018 CHAN. BJM was in Morocco, he played 2 games in Morocco, Andola played 2 games too. Mamadou Asana is having the time of his life in that right back role. He's been able to keep Bawa out in some occasions and even force Bawa to play as a left back in the last game against Green Eagles. You look at Ngombe Kame, he's not new to this kind of events. He camped all along with the 2018 team, but missed out on making the list for the tournament in Morocco. I think it's a steady back four. And there's one detail that many are not seeing about that back four.
Banga Bikemi, Ngombe Itami, and Mamadou Hassana, they all play for Cotton Sport of Garoua. They've had good time together this season in the CAF Confederation Cup. And Dolo is not a stranger to that environment because he's a former player for Cotton Sport of Garoua. So I think there's a real chemistry building in that defense line, and I think the coach needs to capitalize on that and why not develop it going forward. And 2017 AFCON winner Jacques Zoua, he showed his prowess up front today. Yes, it was about doing the job for the team. The first thing I picked from Zoua's performance today is that he was able to keep the defenders more active in ensuring that they don't pull from their defensive role and come towards the midfield area to cause problems for the Cameroon midfield. I think it was a perfect performance from Zoua. Yes, it's true that his high-profile Jacques Zoua, AFCON winner, we expect more from him, but we know that it's a tournament. He is also playing for the first time with these boys. We hope that they build a better chemistry going into the next games. And most people came here expecting this team probably to get a draw or lose this game, but they showed that they are something of a team. And going forward, they will need to keep up with this performance and up their game. Well, I wasn't expecting a defeat because no host in the CHAN has cooked us, begun the tournament with a defeat. I was expecting to put up the show. I expected a reaction from the team after the difficulties in the pre-CHAN tournament. And they did just that today. Thumbs up to Ako Martins at Somo, who won the Man of the Match award. He's an example of how progress should be in Cameroon football because he's been through all the categories of the national team of Cameroon, with the exception of the senior team. Remember, he was in the 2017 Under 17 AFCON. He's played for the Under 20, he's played for the Under 23. Today, he was at the peak of his power for the intermediate selection. And I think that I got what I expected from this team. I expected them to react to the difficulties they faced in preparation and the reaction I got from them. We hope that they can maintain this team going forward. Thank you very much. It's my pleasure. Let's go. So tell us more of your analysis. Hello there, and thanks for accepting the invitation. What's your analysis of this game today? L'analyse simple, elle est relative au fait que les Lions indomptables, quand même en première mi-temps, ça n'a pas conduit du jeu, ça c'est certain, mais c'était compréhensible. Dans ce cas-là, peut-être qu'on ne connaît pas très bien l'adversaire et du coup on ne prend pas trop de risques, surtout dans l'entre-jeu. Donc, c'est ce que j'ai noté. Après, en deuxième mi-temps, progressivement, ils ont mis le pied à l'étrier, je vais le dire comme ça. Mais voilà, sur un ballon quasiment anodin, sur un coup franc, beauté magistralement par Andoulo. Et à l'époque, j'allais dire le défenseur de Cotton Sport de Garoua, qui est une superbe bicyclette, marque un but. Même si pour les Zimbabwéens, ce but semblait être encaché d'identité, mais une finie, la but de Valide. C'est aussi ça la compétition, mon cher John Paul. Hein. Match d'entente, match de peur aussi, match surtout de crainte entre guillemets. Mais le plus important, c'est que même si c'est laborieux, que les Lions ont gagné, c'est ça le plus important. And what did you make of the attack line today led by Jacques Zoua? Non, pas vraiment. Jacques n'était pas dans le match. Peut-être que Brassard l'a un peu perturbé, je vais le dire comme ça. C'est vrai que moi, je le préférais avant-centre, mais il est toujours en train de jouer soit sur les flancs, entre guillemets, soit 9,5. Il a un super gabarit. C'est surtout le Cameroun a un jeu productif sur les flancs avec les centres. Après, Jacques était en deçà. C'est compréhensible. Peut-être qu'il va revenir progressivement. Donc voilà, Jacques a de l'expérience avec les Lions, 29 sélections avec les A. Et surtout avec les APIM aujourd'hui, ça doit marcher. Mais peut-être que ça viendra progressivement, il faut l'encourager. Déjà, il va falloir récupérer et attendre le prochain match pour, in fine, espérer se qualifier pour le deuxième tour. Parce que si on gagne ce deuxième match, ben, ce sera la qualif direct. Donc, prudence, mais pas un grand jeu aujourd'hui. And what did you make of his tactics today, going with the 4-4-3 attacking formation against Zimbabwean side, and coming from the fact that he has not won in his last six games, was really something worth appreciating. Je pense que c'est peut-être pour ça que les joueurs, dans un premier temps, surtout en première mi-temps, ça a été laborieux. Honnêtement, ils ont tenu compte de cette statistique-là. Ils n'ont pas gagné de match les six derniers. Et voilà, qui pesait sur du gazon, et se produisait sur du gazon aujourd'hui dans l'antre de la couverture de Fandina. Donc c'était un peu une prudence. Après, on a vu quand même certains joueurs, c'est ça le plus important, comme Ako, qui sont sortis du lot, comme Ngombe Bengo aussi, et surtout comme Achoukeridou, à mon avis.
pour moi, c'est moi, pour moi, mon meilleur joueur lundi matin. En tout cas, vous avez un gardien Thomas Chukwuemeka qui est sur la défense, surtout sur le plan aérien, alors qu'il n'a pas un gabarit sympa et qui joue du pied un peu, il nous fait du endo, nana. Il joue super bien de pied, il assure. Un choix était monstrueux. Après, l'équipe a été, ça a été laborieux en deuxième mi-temps par la course à essayer de jouer. Mais il va falloir travailler, il va falloir travailler parce que ce soit contre le Burkina ou le Mali, c'est les sélections qui produisent du jeu. Donc il va falloir être prudent. Mais maintenant, la victoire étant là, il faut déjà récupérer et préparer le prochain match comme si le premier ne s'était pas joué. And the defensive compact made of Tungo Pile was really solid today with the likes of Itami and Banga. À mon avis, c'est une charnière quand même, peut-être pas très complémentaire dans ce sens-là parce qu'ils ont la même morphologie, ils ont la même façon de jouer. Que ce soit Banga ou Itami Ndombe, qui sont complémentaires, deux joueurs de côté au sport de Gawa, donc il y a cette fluidité-là. Donc voilà, après sur les flancs, Angulo, à un moment donné, il s'est montré décisif, surtout sur le coup franc. Il a essayé d'apporter offensivement un Angulo qu'on connaît, ex-joueur de Coton Sport aussi, qui est revenu à la maison, on va le dire comme ça, au sein de Nassara et Union Sportive de Douala. Non, la défense, quand on ne concède pas le but, ça veut dire qu'elle s'est bien comportée. Donc c'est déjà la satisfaction. Défense à 5, j'ai envie de dire, avec le portier Chukwuemeka, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été monstrueux. Mais il y a certains joueurs quand même dans l'entrejeu. Twente a été en deçà aussi complètement. C'est pas très sympathique pour un joueur d'expérience qui puissait passer par l'extérieur. Donc, non, par à coup, ça va aller progressivement. Peut-être Lyon va se comporter comme les A, c'est-à-dire aller se comporter comme un moteur diesel qui va crescendo, on espère. Et le deuxième match, déjà, si on le prend bien, ce sera la qualif, s'il y a victoire au bout, et on va attendre le deuxième tour sereinement. And what do they need to do to ensure that they get that victory in the second game and get that qualification, as you say? Très bonne question. Honnêtement, on n'en est qu'à supputer. C'est peut-être de sélectionner entre Goupilé et tout son staff qui savent comment rassurer, comment faire pour remporter le deuxième match. Mais je pense que s'il y a une concentration, s'il y a surtout un bon lien entre le milieu de terrain et l'attaque, s'il y a un Jacques, on va dire en état de grâce, ça peut donner quelque chose. Et si Arco a son niveau qu'il a eu aujourd'hui, ça peut faire quelque chose. Après, il va falloir que les joueurs d'expérience aussi comme James, peut-être dès qu'il rentre comme Joker, qu'ils se mettent de suite. Parce que si on limite la sélection à certaines individualités, à Chukwuemeka, Arco, etc., ça risque de ne pas être sympathique, même si dans le foot également, les individualités comptent, mais il faut être collectif. Et ce n'est qu'à travers le collectif, à mon avis, avec une bonne production de jeu, c'est tout ça qui pourrait permettre, mon cher John Paul, à notre sélection de bien se comporter. On l'espère, sans être que le premier match, avec tout ce que cela comporte, sous Gianni Infantino, Constant Marie, toute cette tête couronnée du football et continental et mondial. Il y a peut-être une petite fousse hein, devant le premier ministre, chef du gouvernement, qui est le représentant de son État. Donc, on peut avoir ces fousses-là, mais in fine, progressivement, on espère que ça va aller crescendo et il y aura une production de jeu. And out of the field of play, what do you make of the organization of the 2020 African Nations Championship by Cameroon in general? Ouais, l'organisation en général, on va dire, tout se passe assez sympathiquement, même si évidemment aucune œuvre humaine n'est parfaite, hein, il y a des imperfections, ça c'est certain, mais globalement, il faut applaudir, il faut encourager. Espérer que progressivement que ça aille. Vous savez, ça se passe toujours comme ça. Coupe du monde au Brésil, vous en avez souvenir, 2014, on en était encore à mettre des poches de peinture alors que la compétition avait commencé. Ça a été le cas chez nous en Afrique du Sud, chez nous en Afrique. Donc, au Cameroun, c'est le champ, c'est vrai, c'est 16 pays, Yaoundé. Ça n'était pas encore ça, mais le gros œuvre à faire, et progressivement, on va rectifier le tir. Mais c'est encourageant, c'est super encourageant. Je pense que c'est déjà une bonne note pour la CAN à venir l'année prochaine. Thank you very much. All right, so now we watched the game between Cameroon to Zimbabwe yesterday. Tell us, what was your reaction after that game? Cameroon winning by 1-0. Oui, Claire, on a vu un peu la réaction, la façade sur laquelle l'équipe nationale du Cameroun s'est présentée. Par rapport aux trois premiers matchs qu'ils ont joués, on a senti vraiment le Cameroun qui n'était pas présent. Je me dis que c'était un problème d'être ensemble vu qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour se préparer. On a vu un peu beaucoup de nos anciens joueurs comme les Oies qui sont revenus et qui avaient du mal vraiment à cadrer leur tir. Ils écrasaient dans la surface. Il y avait un problème de combinaison aussi au niveau de l'attaque qui ne marchait pas. Mais après un certain nombre de temps, on a vu un bon changement qui a apporté une pression au niveau de l'offensivité du Cameroun. C'est clair que le Zimbabwe n'était pas en place. Quand on regarde, le Cameroun a eu une pression de balle près de 65 à 70%.
Et le contre aussi ne nous a pas aussi aidé car on arrivait dans la surface, on frappait, on n'était pas cadré, voilà. Mais on a senti un but qui est venu de nulle part, qui a montré quand même que le Cameroun pouvait se réveiller. J'attire plus aussi l'attention de nos anciens pros comme Roger Mila et Tofis, qu'ils ont ressenti complètement qu'il y a eu des matchs, que le Cameroun avait fait des matchs amicaux, qui avaient tout perdu. Alors ils sont redescendus pour les motiver, pour les faire pressentir que non, de temps à autre, vous pouvez perdre, mais dans les compétitions, vous pouvez vous réveiller. Je crois que ça a été vraiment un gros tonus. Et les Camerounais sont dorénavant très motivés pour venir également au stade et supporter aussi les joueurs. Et comment tu as apprécié la défense du Cameroun, puisque c'est un défenseur qui est venu pour marquer l'unique but de la rencontre? Oui, effectivement, dans un groupe qui est bien travaillé, il y a des défenseurs à nos joueurs qui marquent de la tête, qui marquent aussi des balles aérées, des ballons arrêtés. On a vu que c'est un défenseur qui vient nous lever le public, chose qu'on n'attendait pas. C'est motivant de voir des joueurs qui peuvent prendre la qualité, qui peuvent s'exprimer, qui peuvent dire qu'ils ne sont pas aussi des joueurs moyens, qu'on ne peut pas seulement compter sur des avant-centres. Je crois que ça a été un gros tournant de voir le but venir par un défenseur. Ça motive que tout le monde pourra marquer des buts dans ce sens. On ne peut pas compter simplement sur des avant-centres. This is a very important victory for Cameroon owing to the fact that they had to begin the competition at home with a victory. Of course, I think that this is the first competition that our national team has been starting to play. It was the time that to show we are also footballer, we can also try, we can show our best, we can also prove that we are at home. Especially when you are home, you have to prove that you are the one that can get the control of the ball. This is what the Cameroon club yesterday tried to show us. They was having the ball, control of the ball, show us that they are the winner. And we get the one, we have a 3 points, this is what we need. And we're going to see this next game against Mali, because the next match against Mali was playing, it was so hard. I think we have to prepare more to be looking that Mali is coming over. And Mali won that encounter against Burkina Faso, quite interesting. Yeah, when you see in the first match that Mali played, they was really performing. They was playing the game like a professional guys. But I saw that as so far you meet an opponent that is playing low, you're going to play low. If you play highly, you're going to play also highly. So the competition between the Mali is going to be tough. But I hope the Cameroon should keep her mind up. And looking at the next encounter, Cameroon against Mali, it's going to be really very interesting. Of course, it's going to be a very, very interesting match because Mali have 3 points, Cameroon have also 3 points. So who are to win the match by the second game going to be? Qualify for the next round. So Mali gonna be prepared, Cameroon gonna be prepared. So let's see what gonna come up on Wednesday. Alright, thank you very much. Thank you, Sama. Alright, and so the other group A match pitted Mali to Burkina Faso, and it was the Malians that got the victory out there at the Amadou Ahidjo Stadium, beating Burkina Faso by 1-0, goal coming late on as far as that encounter is concerned. And so from Group A out there in Yaoundé, we are back here in Group B, and Group B is being hosted by at this 50,000 capacity Japoma Stadium, as you can see behind me. And we've just had the first game for this Pool B, and it was an interesting and exciting encounter that pitted Libya to Niger. And so the game ended 0-0 as far as that was concerned. An interesting game, no doubt, but both sides showed that they were up to the task and they gave in their 110%, but unfortunately nobody was able to come out with a victory as far as that encounter is concerned. And so after that game, we sought to get the reactions of a journalist who came in all the way from Niger, and he said even though they didn't get a victory, but they still got a point, which is very interesting going forward in this competition. I also talked to Scotty, who is a sports analyst here in Cameroon. He watched that game with us, and he had his say about that match pitting Libya to Nigerians. C'est Koubéry Ibrahim, je suis journaliste aussi à la Radio-Télévision Nationale du Niger. Donc voilà, je vous donne mon nom. Bon, quelle lecture faites-vous de votre performance aujourd'hui?
Sincèrement, on aurait quand même voulu remporter la victoire cet après-midi. Mais malheureusement, bon, les dieux du stade ont décidé autrement. On avait le match, on l'a dominé de bout en bout, mais malheureusement, c'est l'efficacité qui n'était pas au rendez-vous. Alors donc, on repart avec un peu de regret de n'avoir pas justement pris ces trois points qui sont très importants pour la suite de la compétition. Mmh. Et pour le premier, et pour le deuxième match, est-ce que vous êtes optimiste que votre équipe va... Optimisme, sinon on ne serait pas à Douala. On est venu, on a quand même un espoir qui nous permet de rêver. On est là justement pour aller loin dans cette compétition. Maintenant, c'est vrai, on a raté le premier match, mais on espère qu'au deuxième match, les jeunes joueurs vont se ressaisir quand même pour nous donner la victoire. Bonjour, c'est Scorti Louis Steve, je suis consultant sportif au Luxembourg. Ça date de quelques temps que je travaille avec STV, je suis très content de cette invitation qui m'a été honorée. Et le geste qui me plaît plus, c'est le fait que le stade soit très bien béli à un standing un peu européen. Et j'ai vu des équipes qui sont bien préparées, comme la Libye qui était en jeu contre le Niger. C'était un très bon match à voir dans le stade de Japoma. La seule chose qui m'a un tout petit peu éclairé, c'est que j'ai comme impression que les Libyens n'étaient pas vraiment dans le match, ils n'étaient pas préparés. Parce que le Niger a gardé le ballon durant tout le long du match et les Libyens ils ont eu une seule ou bien plus ou moins deux occasions de frapper cadré. Alors les équipes, je doute très fort, je comprends également qu'il peut y avoir un fait que le Covid-19 nous a vraiment ralenti et qu'il n'y a pas des équipes qui n'ont pas eu le temps de faire la préparation. Mais on a vu des équipes qui se mettent en place, position de ballon et activer des passes numériques aussi et 2, 3, 4 encadrements. Qui ont été vraiment certains qu'on joue du football en Afrique. Donc je pense qu'avec le temps, on aura encore un tout petit pour le prochain match de voir des petits directs qu'on a pu faire, des déchets pour rectifier. Ok, so what do you think was missing as far as both teams were concerned today? Oui, j'ai vu un peu le positionnement que l'équipe nigérienne a entrepris. Ils avaient un positionnement de 4-3-3. Et quand ils ont compris qu'ils avaient la position de ballon, ils sont remontés vers une défense de 3 et 4 en attaque, avec la position de 11 qui était vraiment très offensif, mais n'était pas cadré. Bon, tout ça, ça se joue. Les premiers matchs aussi, il y a ce qu'on appelle un peu la frousse, la peur. Quand on regarde un milieu offensif du couloir, ce qui fait tous les bons matchs, mais les derniers passes qui ne suivent pas, ça se voit qu'ils ne sont pas compétitifs comme nous aussi les Camerounais. On a vu hier d'ailleurs, beaucoup de nos joueurs ils écrasaient quand ils étaient dans la surface. Donc c'est le même cas. Je me dis peut-être que toutes les équipes sont presque au même niveau. Aucune équipe n'est plus que l'autre. Mais au deuxième match, on va maintenant commencer à voir ceux qui vont sortir du tamis et ceux qui vont développer. Actuellement, on peut que voir que voilà, c'est presque hier et aujourd'hui, l'écart des buts ne sont pas énormes. Il y a 1-0, à la rigueur 0-0 comme le match d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que tous se valent presque au même niveau. Ben, au niveau de conservation du ballon, j'ai vu que les Libyens ils ont très des difficultés, ils ont tellement de difficultés en attaque, vu qu'ils jouent avec un attaquant simplement. Et c'est compliqué pour un attaquant de jouer un style de match. Il y a la chaleur aussi qui fatigue. En même temps aussi, le milieu de terrain a été très bien gagné, la récupération était. On a vu deux déchets au niveau de la défense libyenne qui a fait des passes loupées au niveau de la tête au gardien, qui a failli les causer vraiment un potentiel but. Mais bon. Comme je l'ai dit, l'équipe du Niger n'était pas vraiment en place pour concrétiser les occasions. Donc, Mais on peut dire que tous les deux gardiens étaient à haut. Oui, exactement. On voit que les deux gardiens, c'est bien vrai, ils ont un peu pris quelques kilos, ils ont un peu ballonné, mais ils étaient quand même, ils lisaient quand même la défense et des bons dégagements. Donc aujourd'hui, en Afrique, je constate qu'il y a un grand changement. On n'arrive plus à dégager n'importe comment, on met le ballon au sol, on joue, on appuie, on joue avec des appuis. Donc on comprend qu'on se développe et avec du temps ça va aller. Mais les deux gardiens, vraiment, les deux plongeons que j'ai vu de l'équipe libyenne, c'était vraiment très rassurant. Donc c'est des équipes qui sont très bien posées. Et on verra au deuxième match, je me dis peut-être c'est un peu de panique pour le premier match, mais voilà. When we look at this group B, we have the likes of the Democratic Republic of Congo, we also have Congo Brazzaville and these two teams. So when you look at this outcome today,
Would you say it would be difficult for these two teams owing to the fact that Congo and Congo-Brazzaville are the top teams in this group? Of course, it's going to be a little bit difficult. Let's see the second match because Congo-Brazzaville and Congo-RDC, we didn't see how they played the match. So, but they have the time to watch the first game that he was playing. Actually, the score is 0-0 between the first team that has been playing is 1-1 point. Let's see as the second team has been played. But the chance today, most of the four teams, as so far that you can try to corriger les erreurs que les premières équipes ont fait, ils peuvent bien se servir de ça pour pouvoir dominer ou bien connaître l'adversaire qu'ils ont à faire contre eux pour les équipes prochaines. Ok, thank you very much. Merci, merci. C'est avec plaisir, ça m'a encore un très grand plaisir de vous voir. And so we are at the second game of Group B, and it is an enticing encounter that is pitting the Democratic Republic of Congo to Congo-Brazzaville. And these two teams, they went on halftime on the parity scoreline, and it is the Democratic Republic of Congo that. And so when you look at this beautiful encounter, it is the first half of this game, and so. It is 1-0 in favor of the Democratic Republic of Congo just after the break. I mean, just 2 minutes after kickoff, the Democratic Republic of Congo have taken the lead. And so, before this, we caught up with both sets of fans and they gave us their reactions, what they saw that impressed them during the first half of this encounter, and what they think their team needs to do. And so, let's go over to our machines to get the reactions. The first half reactions of these two sets of fans as far as this Group B match pitting the Democratic Republic of Congo to Congo is concerned. Je suis vraiment déçu, vraiment. Je ne pensais pas vraiment que non. Avec vraiment le potentiel que nous avons là, je ne pensais pas vraiment que nous allons jouer comme ça là. Alors, le premier mi-temps là, vraiment, je suis vraiment déçu, vraiment. Avec vraiment les joueurs que nous avons, avec notre championnat là, vraiment. J'attendais pas vraiment ça, mais je sais que non. La deuxième mi-temps là, ça va passer les bonnes choses parce qu'il y a des joueurs qui sont encore en bas là. Donc on va entrer les deuxième mi-temps, on va gagner. La chaîne c'est pour nous. Oui, par rapport à vous, Non, les meilleurs joueurs, c'est Dorsal Mernet, 29 là. Le défenseur central là, non, le gars là vraiment. C'est le meilleur joueur. Est-ce que vous avez aussi que vous avez On va gagner par 2-0. 2-0, on va gagner. 2-0, on va gagner 2-0. Comment tu as trouvé le premier mi-temps? Non, le premier mi-temps, ça s'est passé un peu difficile, mais ça va aller. Ok, eh ben, est-ce que vous assurez que vous avez gagné le match? Bien sûr, bien sûr. On va rapporter par 2-0. Ah, ouais, bonsoir, bonsoir. Comment vous avez trouvé le premier mi-temps? Vraiment, le premier temps était un peu difficile pour la Congo RDC. Bon, on va voir, quand on va rentrer à deuxième mi-temps, on va voir comment les joueurs vont faire, peut-être vont faire mieux. Mais normalement, les Congo République de Sassou Nguesso, ils ont un peu dominé. Ils ont dominé les matchs, là, il faut dire oui, il faut accepter. Ils ont dominé les matchs, mais. Congo RDC, il ne faisait que défendre. Bon, il y a les défenseurs de 129, lui c'est impeccable. Donc, l'enfant a prouvé vraiment son niveau de professionnalisme de ses chaînes. Bon, voyons voir quand on va rentrer deuxième mi-temps. Le coach va essayer un peu de changer le système. Okay. Ça va aller, ça va aller. Est-ce que vous expliquez que vous avez gagné le match? C'est sûr et certain, c'est sûr et certain parce que c'est nous qui sommes les titulaires de ces chaînes. C'est nous, le Congo RDC, qui ont rapporté les premières chaînes en Abidjan et puis. On a aussi remporté la fois passée à Rwanda. Là, on sait qu'on est habitué. C'est une compétition qu'on est habitué de jouer. Donc, on n'a pas peur là. On n'a pas peur. On a confiance qu'on va gagner ce match. On va gagner. Merci. Trop mon pays. Mon pays, Congo Kinshasa, j'aime trop mon pays. RDC, j'aime trop mon pays. C'est le Congo d'abord. C'est le Congo Kinshasa. C'est le Congo d'abord. C'est le drapeau de RDC. Voilà. J'aime trop mon pays. Comment d'abord, comment vous avez trouvé le premier mi-temps? Bon, le premier mi-temps, ça s'est passé bien. Malgré tous les milieux de terrain, c'était un peu compliqué, mais ça va aller. Avec le temps, je demande seulement à Ibenge. Ibenge arrange le milieu du terrain. Le milieu du terrain est foutu, c'est gâté le milieu du terrain. J'aime trop mon pays, j'aime mon équipe. Aller de l'avant, vive le Congo RDC. Votre pronostic de ce match, est-ce que vous allez gagner? Pardon? Votre pronostic. Ah, on va gagner. On va gagner. Bon, malgré tout. On va gagner. Pour moi, on va gagner. 2-1, comme mon frère a dit, 2-1.
2-1, c'est notre victoire. Malgré tout notre pays, on nous menace trop avec les guerres par-ci, par-là. Mais Congo, c'est le pays de bonheur, le pays démocratique, le pays... Donc j'aime trop mon pays. Vive les RDC. Vive le Congo. Comment vous avez trouvé votre performance, votre... Oh, vraiment, la performance est impeccable. On ne blague pas. Mais c'est quand même nous. C'est nous les Congolais 242. Jamais 242. On ne blague pas. Les joueurs sont très performants. À la deuxième période, à partir de la 56e minute, on marque le premier but. On ne blague pas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Rome Square officielle. On doit atteindre 1000 abonnés. La note sur les arts sera disponible. On ne blague pas sur le 242. Voilà. À notre capitaine, le capitaine Kesha. Et on demande aussi à notre attaquant de donner vraiment de la force. Il doit peser dans la défense. C'est ce qu'on demande. Vous avez gagné par combien de buts? On va gagner 2-0. Il n'y a même pas de débat. On va gagner 2-0. Ça, c'est même pas un truc. On va aller voir les sorciers ou les féticheurs. On va gagner 2-0. Voilà. Ok, fais un peu de bruit. Fais un peu de bruit. Hey, coup, la danse, les arts. Danse comme un lézard. Danse comme un lézard. On balance un peu à droite. On balance un peu en haut. On balance un peu en haut. On balance un peu en bas. On y va. Hey. Danse comme un lézard. Danse comme un lézard. C'est ça. C'est le feu. Voilà. Bon, nous sommes confiants en la victoire. Nous croyons que nous allons gagner. Nous avons déjà fait une bonne première mi-temps. Et en deuxième période, nous allons venir pour tout achever et tuer le match. Voilà. Et qui était votre meilleur joueur? Bon, nous avons foi en notre capitaine, le capitaine Kesha. Nous croyons que c'est 2-0. Ouais, pour moi, je dirais que ça c'est notre partenaire de tous les jours. Parce que c'est juste le fleuve Congo qui nous sépare. Donc c'est un match qu'on ne peut jamais rater. Sinon, ça va ramener les polémiques au pays là-bas, entre les deux pays. Donc pour moi, je sais que l'équipe va gagner 2-0 ce match. Donc on va gagner 2-0, je suis sûr de mon équipe. Et comment tu as trouvé cette première mi-temps? Bon, la première mi-temps était quand même passable pour nous. Mais on sait qu'en deuxième période, ça, on va vraiment foncer pour marquer le but. And so, ladies and gentlemen, it took Chico Usindi goal to separate these two teams, the Democratic Republic of Congo, who got the 3 points here against their neighbors and rivals, Congo or Brazzaville. And so, let's get the reaction of Renaud Inan, a sports journalist who has watched this encounter from the first to the last minute. Alors, je crois qu'on a vu une équipe de la République démocratique du Congo déterminée parce qu'il faut le rappeler, c'était un duel entre deux pays qui se connaissent bien, deux pays dans lesquels le football tend progressivement vers le professionnalisme, s'il ne l'est pas encore, parce que dans ces pays, il existe de grands clubs. Sur l'aire de jeu, on a vu pas mal d'occasions, des occasions qui de chaque côté, et puis... Du retour de la pause, on a vu cette autre occasion qui a permis d'ouvrir le score. Il faut dire que c'est le premier but depuis ici au stade de Japoma, parce que avant ce match, il y a eu le premier qui opposait la Libye au Niger, malheureusement pas de but. Et puis l'équipe de la République démocratique du Congo s'est démarquée. Ça ne veut pas dire que l'adversaire n'avait pas son mot à dire. L'adversaire a eu son mot à dire, mais c'est juste que il y a eu la maladresse du Congo, des attaquants du Congo, qui n'a pas permis à cette équipe de revenir au score. Et quand tu vois le match, qu'est-ce qui n'a pas marché pour les Congolais? Bon, ce qui n'a pas marché pour les Congolais, je le dis encore, c'est la maladresse, parce qu'ils ont conçu un jeu, on a vu un plan de jeu, mais alors devant les buts, ils n'étaient pas droits. Donc c'est une maladresse des attaquants qui fait perdre. Si ce n'est les 3 points, ne serait-ce que le point du match nul à cette équipe, parce que ça a été compliqué devant les buts. Il y a eu pas mal d'occasions, mais toutes sont passées pratiquement à côté des cages. Avec un coach comme Florent Ivenga qui a beaucoup d'expérience, Oui, mais en même temps, il faut dire que le ballon est rond. Et puis, favori sur le papier ne veut pas dire favori sur l'air de jeu. Mais Florent Ibenge, vous l'aviez dit, a beaucoup d'expérience, a un vécu des compétitions.
et puis le retrouver dans cette autre compétition, ce n'est pas une surprise, avec un groupe qu'il connaît bien parce qu'il ne découvre pas son groupe malgré les péripéties dues à la crise sanitaire. Il connaît quand même le groupe, il a eu le temps de peaufiner quelques petits réglages, de revoir quelques stratégies, de voir également ses choix tactiques avec ce groupe. Et puis, ça ne surprend pas beaucoup. Mais il faut dire que la RDC partait favori dans cette rencontre. Et puis, ils ont su concrétiser ce qui était déjà visible sur le papier. Avec cette victoire de RDC dans le premier match, ils ont presque dans les demi-finales. Non, ce serait trop dit, mais c'est une très belle entrée en matière de l'équipe parce que jusqu'ici, vous savez, la Libye et le Niger se sont séparés sur un score nul et vierge. Et puis, les matchs qui suivent seront les matchs les plus difficiles pour ces deux équipes qui ont précédé le match opposant la RDC au Congo-Brazzaville. Donc, ce qui veut dire que même si on ne peut pas encore dire, il est difficile de dire que la RDC a déjà un pas en demi-finale, il faut néanmoins affirmer que l'équipe part favori de par sa victoire et puis va se hisser et se hisse à la tête du groupe B, provisoirement, en attendant la deuxième journée. Je vous en prie. And from the Japoma Stadium, we are going to be moving over to the Reunification Stadium, where it's going to host two more games as far as this competition is concerned, in Group C, where Rwanda will take on Uganda. And ahead of that game, the Rwandans, they had their press conference, the pre-match press conference, and the coach, and as well as the captain, they were confident that they were going to get the victory against the Ugandans, a side that they know very well. Let's go get the reaction of the coach. And so, ladies and gentlemen, that's it as far as this program today, Chan at Home, is concerned. Take the rendezvous when we shall be coming to you with games from the Reunification Stadium as far as Pool C of the 2020 African Nations Championship is concerned. Until tomorrow for a fresh and brand new edition from us to you, it's a bye-bye and stay tuned.